Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Cubi Factorium. C'est un petit jeu de gestion, base building, enfin gestion de colonie. Vous allez devoir construire du coup votre base et faire essayer de survivre vos petits gars. Donc ce que je vous propose, ça va être de créer une nouvelle partie, de découvrir ça, de partir sur une île complètement aléatoire et de découvrir un peu ça tous ensemble. Donc on va faire une petite vidéo, le jeu est actuellement en Kickstarter, la campagne se termine bientôt, elle doit se terminer dans 5-6 heures au moment où je fais la vidéo. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les KS et du coup, et que je vous avais pas présenté de KS, et celui-là il m'est passé un peu à la trappe, complètement même à la trappe, et on m'en a parlé sur Discord, et du coup je me suis dit bon bah il est peut-être un peu tard, mais on va quand même le présenter parce que ça pourra peut-être en intéresser certains d'entre vous. Qu'est-ce que je voulais dire sur le jeu? Oui, la campagne de Kickstarter est déjà terminée dans le sens où le gars demandait 12 500 $ et il en a eu 19 000 au moment où je fais la vidéo. Donc même si elle n'est pas tout à fait terminée, ce n'est pas très très grave. Donc voici la map qui a été générée procéduralement. On va mettre le jeu sur pause. On va parler vite fait de l'interface. En haut à droite, vous avez la soif, la nourriture, le nombre d'habitations que vos gars vont avoir besoin et éventuellement la journée qui est déjà passée. Dans votre bateau, qui est juste ici, vous avez déjà des ressources de base, donc on va leur demander de décharger le bateau. On va aussi leur demander de récolter les premières zones qui apparaissent ici et on va commencer à jouer. Petit truc à savoir, c'est que chaque personnage a des points de vie, a une zone de soif, de faim, de confort, de sommeil et de social. Ils peuvent être équipés d'un équipement qui va être divers et varié, et ça me fait penser que pour le moment, on va tous leur dire de récolter. Ah, et lui, on va le laisser juste en fermier. Et du coup, justement, en parlant de fermier, on va créer une ferme de 3 sur 3. Et on va commencer par créer des strawberries. On va faire une zone de stockpile ici. Et on va dire, on va affecter la zone au strawberry. Il va nous falloir une autre zone de stockpile un peu plus commune qu'on va placer par ici. Qu'on va dire de stocker là-dedans, bah du coup, le bois, la pierre, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à stocker. Petite chose à savoir, donc, en plus des job assignments qu'on peut faire, chaque personne pourra être affectée à récolter certaines choses en plus. Donc, par exemple, lui, je vais l'affecter en même temps à la production de flotte. Et du coup, il va nous falloir rapidement un puits qu'on va placer juste ici, qui sera très bien. On va faire une zone de stockpile ici. Et on va dire au puits de stocker sa flotte juste ici. Donc là, on a commencé à avoir notre premier champ qui va stocker juste ici. On va créer un deuxième champ ici, qui va être stocké quand même ici, mais qu'on va faire du blé. Et on va faire un autre truc qui va s'appeler le Basic Workplace, qu'on va placer par ici, quoique non. Avant de faire ça, on va fabriquer des bonfires qui vont me permettre d'étendre mon territoire. Donc là, je vais en placer un là, je vais en placer un là, et je vais en placer un ici. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Donc on va les laisser taffer. Là, vous pouvez voir qu'il commence à récolter éventuellement. Pour faire du blé... On coast, grassland, on... D'accord, on désert. Pour le moment, c'est bon. J'ai pas parlé non plus que pour l'instant, on commence avec ce nombre d'habitations. Mais éventuellement, on va pouvoir agrandir nos gars. Donc, on va leur demander de récolter un peu plus de zones par ici. Là, il y a des cochons... de ce côté là et je vais commencer du coup à fabriquer ce que je vous disais, un basic workplace. Est-ce que je le fabrique par ici?
Ouais, on va le fabriquer là. Et on va faire une zone de stockage. Comme ceci pour le moment. Et on va lui dire de stocker ça ici. On va lui dire de fabriquer des stone blocks, des wooden boards et des épées en bois pour pouvoir se défendre si jamais il y a des monstres. Donc là, on a étendu notre territoire, ce qui est plutôt pas mal. Ici, je pense qu'on va s'occuper de fabriquer des maisons. Si il veut bien. Eh bah tiens, nickel. On va placer une maison là, une maison là. Une maison peut accueillir deux personnes, donc du coup, on aura pile poil assez. Et on va devoir faire aussi des trucs qui sont assez importants pour accélérer les gars. Ça va être de fabriquer des routes. Voilà. Et on va fabriquer une route juste ici. Comme ça, ils vont pouvoir fabriquer tout ça. Donc là, les gars, boss, on a un problème de flotte, mais c'est pas essentiel. Est-ce qu'on a déchargé tout le bateau? On a déchargé tout le bateau, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Load and save. On va vite fait sauvegarder, parce que des fois... j'ai appelé ça live, mais c'est pas live. Des fois, il y a des petits problèmes, des petits problèmes et ça déconne, donc je préfère... être sûr et certain de la chose et pas recommencer ma vidéo 36 fois. Du coup, bon, ça fait... ça commence à m'agacer. Bon, vous le voyez pas parce que... Heureusement que j'avais fait ma petite sauvegarde. Ça fait déjà 4 fois que ça plante. Du coup, on va pas tenter le diable. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi un petit problème. C'est que au niveau de... quand vous rechargez la partie pour le moment, vous êtes obligé de tout replacer. Donc ça, c'est un peu relou, je vais pas vous mentir. J'ai un souci du coup, bah, c'est que au final, il ne veut pas il arrête pas de me déconnecter. Je sais pas pourquoi ça plante pour le moment. Et hop là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la petite présentation. Je suis déçu de pas pouvoir vous montrer plus de choses. Au cas où, en fait, au cas où que ça redéconne, on s'arrête là. Et si jamais on peut continuer, on continue un petit peu et on va le plus loin possible pour que la vidéo dure au minimum 10-15 minutes et que je puisse vous montrer des trucs intéressants.